Aujourd'hui, je découvre pour vous le vignoble de Belœil au 286 boulevard Sir Wilfrid Laurier à Belœil. Suivez-moi. Donc, je viens tout juste de revenir du vignoble de Belœil, situé au 286 boulevard Sir Wilfrid Laurier à Belœil. Et vraiment, l'expérience est toujours formidable. Vous allez rencontrer le seul employé qui est là-bas, il s'appelle Pierre. Et vraiment, à chaque fois que j'y vais, j'ai toujours des belles discussions. On peut parler de pêche, on peut parler de voyage, mais on parle aussi de vin et de belles découvertes. Alors, je vous fais découvrir cet endroit-là aujourd'hui parce que ça fait maintenant quelques années que j'y vais et vraiment à chaque fois j'ai rien à dire et il peut vraiment vous suggérer des super bons vins. En fait, on a des recettes. Comment ça marche là-bas? C'est qu'on y va et on choisit une recette de vin. Il y a beaucoup, beaucoup de choix dans la boutique. Vous allez voir, c'est toutes des boîtes de préparation de vin et vraiment, c'est vous choisissez dans celui que vous voulez. Il y a tellement de choix. Vous pouvez aller autant dans du vin. Évidemment, il y a du vin rouge, du vin blanc. Mais là-dedans, il y a énormément de choix, de variétés de vins. Alors, aujourd'hui, nous, on avait... Il y a comme un mois, parce qu'en fait, des recettes, c'est soit 4 semaines de préparation ou 6 semaines. Tout dépend de la qualité de raisin que vous allez aller chercher et de vin que vous allez aller chercher. Donc, là, nous, on avait un 4 semaines, si je me trompe pas, et c'est un Pinot Noir Shiraz qu'on est allé chercher. En fait, ça, c'est le papier qui indique c'est quoi la préparation dedans. Et ça, c'est sur le gros goulot, tout pendant les 4 semaines. Ensuite, on s'en va, il nous appelle pour nous dire que c'est prêt, on prend rendez-vous et on s'en va embouteiller. C'est vraiment merveilleux. Alors, aujourd'hui, on a embouteillé du rouge. Il m'en manquait, alors c'est vraiment plaisant. Je vais en avoir. Alors, en fait, là, c'est vraiment merveilleux. Vous voyez, il n'y a aucune étiquette, mais j'aurais pu en mettre. OK? Moi, ça m'évite juste de les enlever après. Ça me dérange pas parce que, évidemment, quand on prend une boîte, une recette, ça fait environ, tout dépend des bouteilles que vous amenez. Si vous amenez toutes des 1 litre, ça va vous faire beaucoup moins de bouteilles. Mais environ des 750 ml, ça peut vous faire 28 bouteilles par recette environ. Donc, c'est vraiment bien et la bouteille peut nous revenir entre 6-7 $ la bouteille de vin. Fait que les soirées arrosées ne coûtent plus cher. C'est vraiment merveilleux. pourquoi pas? Mais il y a des recettes qui coûtent plus cher. Comme là, aujourd'hui, je viens d'aller me chercher une recette. Je viens d'aller
faire la préparation, en fait, la payer pour qu'éventuellement qu'il fasse la préparation. Et ça m'a coûté peut-être 200 $ avec les taxes. Donc, ça dépend, là, vraiment. Mais lui, c'est un meilleur vin que je suis allée chercher. Je suis allée chercher un Château du Roi de la réserve. Donc, ça va être délicieux. J'ai hâte d'essayer ça. Mais ça sera dans 6 semaines, pas avant. Alors, aujourd'hui, on a été faire du vin rouge. Mais comme je vous disais, on peut avoir du vin blanc. Et il y a encore là beaucoup de sortes, mais il y a aussi des vins spéciaux. C'est ça qui est hot aussi. C'est que lui, c'est mon vin de pomme. Un vin plus en dégustation, l'été, en apéritif, en apéro, au soleil. Un petit vin de pomme verte. C'est vraiment hot, là. T'sais? Puis comment je le sais pour le différencier? Parce que je me suis trompée une fois, maintenant je sais c'est quoi la différence. Lui, il est pâle, lui, il est plus foncé. Parce que je ne mets pas d'étiquette, fait que, hein. Mais sinon, j'aurais les étiquettes. Le seul que j'ai mis une étiquette pour vraiment l'apercevoir, parce que c'était des bouteilles foncées et que ça ressemble comme à du vin rouge, c'est du Porto. Et oui, on peut faire du Porto là-bas. Et regardez-moi ça, c'est du Porto chocolat mocha. Il est hallucinant. C'est tellement bon. Là, je pense que je pourrais boire la bouteille, puis... paraîtrait pas. Peut-être oui, un peu. Mais c'est délicieux, vraiment. Alors, on peut vraiment retrouver plusieurs sélections. Évidemment, ça change. Il y a des sangria aussi qu'on peut faire. Un vin sangria. Donc, on n'a même pas besoin de rajouter ou vous pourriez rajouter du jus dedans. Mais il se boit straight pipe comme ça. Et il est délicieux. Donc, il y a vraiment beaucoup de sélections. Mais en plus de ça, il ne fait pas que du vin. Il a aussi une sélection d'huile d'olive, donc parfumée. Il y en a au bacon, il y en a à tellement de sortes différentes. Et vraiment, elles sont délicieuses. Il y a des petits emballages pour faire des paquets cadeaux ou en plus grand format. Tout dépend ce que vous recherchez. Mais vous pourriez faire des cadeaux comme ça. Ensuite de ça, Pierre offre le remplissage de bonbonnes de CO2 au coût de 10 $. Pour de vrai, moi j'en ai pas, mais ça a l'air que c'est vraiment un beau rabais parce que d'habitude je pense que c'est 20 $. Fait que c'est comme moitié prix. Ça vaut la peine si vous avez des machines à bubble à pression, là. Alors le CO2, il se ramasse à 10 $ le remplissage. En fait, vous repartez, vous laissez votre vieille vide et vous en prenez une nouvelle et vous partez et c'est 10 $ plus taxes. Alors vraiment, c'est vraiment merveilleux et il y a plein de gens qui sont étonnés de ce service-là. Alors, je vous en parle. Et en fait, comment tout ça fonctionne? On prend notre réserve de vin, on prend notre recette, on l'achète. Pierre s'en occupe en fait en backstore et il monte toute la recette pour nous. Et quand c'est tout prêt, quand il l'a filtré, ensuite de ça, on y va et on fait l'embouteillage avec Pierre. Alors, on nettoie nos bouteilles. Ben, on l'a déjà au préalablement lavé avec un petit savon rose qui vend à son entreprise aussi. Mais on a déjà pré-lavé. On fait juste comme un rinçage. Et après ça, ben, on passe à l'embouteillage et on referme nos bouteilles. Et voilà! Là, ensuite de ça, il reste à le faire vieillir un petit peu. Mais il serait bon, il serait consommable aujourd'hui. J'en ai même goûté là-bas parce que les petits fonds qui restent, ils me laissent tout le temps. Même s'il est le matin, c'est pas grave, pourquoi pas. Alors, c'est vraiment merveilleux comme endroit. Depuis que je connais ça, je n'achète plus de bouteilles de vin à la sac, à part des alcools forts, mais sinon, j'en achète plus ou pratiquement plus. C'est plus pour des cadeaux à ce moment-là, parce que ça, ben, on garde nos bouteilles, on les réutilise en fait. Fait que c'est pour ça que je garde mes petites bouteilles, je les donne pas à personne parce que il m'en manquerait sinon. Fait que voilà. Sinon, c'est pas mal ça, mais je vous dis là, c'est vraiment une place à essayer. Si vous voulez du bon vin, maison, puis je vous dis que ça fait jaser quand on amène des bouteilles de même à nos amis qui n'ont pas d'étiquette du tout. Ça fait jaser. Alors, si vous voulez découvrir une belle entreprise québécoise qui est sur la rive sud de Montréal, je vous le conseille fortement, le vignoble de Belle-Oeil. Alors, allez voir Pierre et dites-lui que je vous ai envoyé et il va être heureux de vous recevoir comme toujours. Il est un passionné de son travail. Alors, je vous laisse entre les mains de Pierre et je sais que vous allez être choyé et bien conseillé. Alors, c'est tout pour ma capsule de cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye!